Radio Télémoment a présenté aux Paroles de vie. Paroles de vie, c'est une émission qui passe sur Radio Télémoment, sur Facebook et YouTube, chaque dimanche à 5h pour arriver 7h de la soirée avec votre serviteur, Georges Jean-Emmanuel. Amen. Seigneur, que la paix, la grâce de Dieu soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur. Nous disons merci d'être qui permet que nous capables ensemble. Et dans l'heure, ça, chacun dimanche, dès qu'il fait 5h, pour l'émission Paul, hein, qui c'est Parole de vie, c'est tout un plaisir pour nous, pour que nous soyons capables d'entrer là-bas pour nous côté l'émission ça. Pour... Jusqu'avant de nous commencer, il est important pour nous inviter chacun des amis qui a suivi avec nous, qui est déjà branché avec nous, à entrer dans la prière avant que nous soyons capables de commencer. Nous allons la prière disposer cœur pour que nous soyons capables d'entrer dans la prière avec nous. Dieu fort grand, adorable Père Céleste en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous approchons auprès de vous-même, cher Seigneur Dieu. Nous demandons pardon pour pécher nous, pour faute nous, pour l'unité de nous. Nous demandons pardon, cher Seigneur Dieu, pour tout ça nous fait, qui n'est pas dans la volonté. Côté nous aller, qui n'est pas dans la volonté, Seigneur. Nous demandons pardon, cher Seigneur Dieu, pour chacun et auditeur, cher Seigneur Dieu, chacun super branché, cher Seigneur Dieu, parole de vie. Et vous connaissez la vie, cher Seigneur, nous demandons faire grâce, Seigneur Dieu. Je m'en doute en prie que la présence soit capable d'accompagner nous, que la puissance soit capable de remplir nous, cher Seigneur Dieu, que soit capable d'illuminer l'esprit nous, cher Seigneur Dieu, afin que la parole nous soit capable de connaître de jour en jour mieux, cher Seigneur Dieu. Je m'en doute en prie que la présence soit avec nous, Seigneur Dieu, parce que nous connaissons ça nous-mêmes, tout travail, nous ne sommes pas capables de faire un lien qui est bon sans vous, cher Seigneur Dieu. Car avec force nous, en tant que l'homme, cher Seigneur Dieu, nous ne sommes pas capables de faire un lien. Je m'en doute en prie que la présence soit capable parmi nous, afin que tout ça qui va faire, cher Seigneur Dieu, va faire en bas contre cet esprit et pour gloire nous, cher Seigneur. Comme ça, nous pouvons pas nos péchés, nous, au nom de Jésus qui vit, qu'apprenez au siècle des siècles. Amen. Nous retournons, nous comptons, Jean, que nous disons là, pour que nous soyons capables d'entrer la caille pour le moment Paul, là, qui c'est parole de vie. Jean, que nous avons déjà annoncé, et dans la vidéo avant, nous te promettons que nous avons venu avec une introduction à la Bible, la raison pour laquelle, c'est parce que tout un thème ou bien sujet qui pourrait être traité en dans l'émission ça, eh bien, il pourrait aller bien rapport avec la Bible. C'est des thèmes bibliques. Puisque c'est de la Bible que nous pourrions parler, c'est important pour que nous soyons capables de faire une introduction à la Bible. Parce que assez souvent, nous sommes capables de dire qu'il y a des gens qui utilisent la Bible, hein, juste, ouais, c'est un livre, hein, juste un livre. Que yo acheté tout moun konnen une fois que moun nan li converti, eh bien li souvent acheté yon Bible, yon chant d'espérance. Mais au profond, gen pil moun ki kapab manke en connaissance de la Bible, bien que gen pil moun ki konnen Bible lan, ki sa ke liye et ki jan nou arrive fè gen Bible sa ke nou ap utilize, a ki origine Bible lan kote l soti, eh bien gen pil moun ki konnen en pil bagay de la Bible, mais kon sa tou gen moun nan ki pa vraiment chèche au niveau pour ta connaître qui ça la Bible lié même. C'est l'une des raisons qui fait que nous te dit nous avons commencé avec une introduction à la Bible. Nous allons faire un étalage sous Bible hein, de origine côté Bible a sorti et nous ensemble de livres qui gagnent en dedans Bible hein, et nous a parlé tout et des livres apocryphaux et canon biblique là. Nous avons parlé de ça tout et nous avons fait un auteur, le Bible, l'auteur qui écrit livre qui est dans la Bible et nous avons parlé de l'Ancien et Nouveau Testament. La Bible vient du mot grec, ta Biblia, qui signifie les livres. Et la Bible est divisée en deux parties, qui c'est Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance, ou bien Ancien Testament et Nouveau Testament. Eh bien, dans l'Ancien Testament, nous joignons de Genèse à Malachie. Et dans la Nouvelle Alliance, ou bien Nouveau Testament, nous joignons de Malachie à Apocalypse. Et lorsque nous prenons de Genèse à Apocalypse, eh bien là, nous venons la Bible complète. On essaie de garder le livre dans la Bible, on apprend le livre Ancien Testament ou bien Ancienne Alliance là et après nous apprenons livre Nouveau Testament ou bien Nouvelle Alliance là. Et bien, yo divisé chaque livre ça yo, nous parlons qui gens que
la Bible lui-même lui divise chaque livre sale. Eh bien, dans l'Ancien Testament, ou bien l'Ancien Alliance, non, nous avons les 5 premiers livres, yo, qui sont les Pentateuques. 5 premiers livres, yo, nous disons, c'est les Pentateuques. Nous allons voir qui livre que yo yé. C'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. 5 premiers livres, ça, yo, yo, les Pentateuques. Eh bien, après ça, nous allons jouer les livres historiques de la Bible. On va jouer les livres historiques qui c'est Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, qui c'est les livres historiques de la Bible. Lorsque nous parlons d'un livre qui c'est un livre historique, on croit que chaque auditeur nous yo capable essayer comprendre des livres lorsque nous parlons d'un livre qui c'est un livre historique en tant que nous jouons histoire. Eh bien, nous gagnons des livres poétique de la Bible. En dans livre poétique yo nan Ancien Testament ou bien dans Ancienne Alliance la que nous y est, eh bien c'est Job, Somme, Proverbe, Ecclésiaste et Cantique, des cantiques. Et en dans livre ça yo, nous joignons des chants, des poèmes qui en dans livre ça yo. Et après pour nous finir, nous joignons les prophètes de la Bible. Et en dans prophètes yo, nous parle capable faire différence devant entre des prophètes mineurs et des prophètes majeurs. Et comme ça tout nous après pour qui ça yo dit un prophète li c'est un prophète mineur et un autre prophète yo dit li c'est un prophète majeur. En dans livre prophétique yo nous pral wè ce qui c'est Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Miché, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et puis Malachi, que nous allons jouer en dans livre prophétique ou bien les prophètes. Ça nous aller pour ancienne alliance là ou bien ancien testament qui commençait de Genèse à Malachi. Kounya nous allons entrer dans nouveau testament. Oui, en dans nouveau testament nous allons voir qui j'ai au même yo classé yo pral classé yo différent de livre Ancien Testament qui classé avec les Pentateuques, les livres historiques de la Bible, les livres prophétiques, poétiques de la Bible et les prophètes de la Bible. Dans le Nouveau Testament, nous pral wè, c'est pral tout à fait différent. On va aller dans le Nouveau Testament pour nous wè qui j'en li classé. Dans le Nouveau Testament, premiers 4 livres, nous pral yo, c'est les 4 évangélistes. Les 4 évangiles qui retracent yo même la vie de Jésus et au chaque nous pral wè au chaque pral gen façon que yo présenter Jésus-Christ. Et nous quoi dans étude que nous a bien pi devant, nous pral parler de ça. Et même qui livre qui yo même les évangiles c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et après 4 livres ça yo qui c'est les évangiles, nous pral joindre vraiment les actes des apôtres qui se gen seulement en dans livre Acte des apôtres là ou bien en langue créole là qui relait travail apôtre. C'est Acte des apôtres. Après nous prenons les épîtres de Paul. Les épîtres de Paul et bien nous prenons combien épîtres Paul yo même yo yé. Dans épîtres Paul yo nous prenons Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon et puis Hébreu que attribué comme épître de Paul. Ça nous relève les épîtres. Et après les épîtres, nous pouvons joindre les autres épîtres. Après les épîtres de Paul, eh bien, nous pouvons joindre les autres épîtres. Et bien, dans autres épîtres, nous pouvons joindre Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et puis nous pouvons joindre livre Jude là. À qui nan trois qui nan liste les autres épîtres. Eh bien, après les autres épîtres, nous pourrons entrer tout de suite dans le dernier livre là qui c'est Apocalypse, qui c'est la révélation. Lorsque nous parlons de Apocalypse, eh bien, nous voyons la révélation que Dieu lui-même dit à Bral by Jean. Et c'est là nous pourrons voir que la Bible là lit strictement fini, écrit, commencé de Genèse à Apocalypse. Eh bien, dans l'espace de temps de Genèse à Apocalypse, qui ça qui gagne? La Bible, de temps à autre,
gagner révélation de Dieu hein, qui approuvait. Ça veut dire de Genèse à Exode, ou après gagner yon si lumière qui fait sous bon Dieu. Il commence à élargir. Et Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chronique, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Somme, pour nous vivre jusqu'à Malachie, il y a des lumières qui a fait au niveau de Dieu. Et bien, lorsque nous prenons de Genèse à Apocalypse, et bien, toute lumière vient jaillir là. Ça veut dire, et comme si c'est un qui commençait à entrer, comme un angle aigu, et bien, qui a agrandi jusqu'à ce qu'il vienne faire un angle droit, et puis l'a agrandi jusqu'à ce que nous venons gagner un angle obtus qui vient gagner toute vérité de Dieu, tout ça qui gagne pour écrire dans la Bible. Et bien, la Bible, nous sommes capables de dire, gagner des livres qui sont des livres canoniques et gagner des livres qui sont des livres apocryphes. Lorsque nous disons des livres apocryphes, parce que lorsque monsieur yo, yo même yo t'a écrit, eh bien, te gen des critères pour que yo t'accepte écriture ça, pour que yo t'accepte livre ça yo comme des canons. Lorsque nous parlons comme des canons, pour t'accepte yo comme livre qui inspiré. Parce que dans 2 Timothée chapitre 3, précisément le verset 16, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire pour que yo considérez un livre comme canon, comme un livre canonique, eh bien, faut que c'est des livres inspirés. Et la Bible, même en soi, par définition, que nous capables de porter tout de la Bible, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire, la Bible, c'est pas un livre que l'homme lui-même lui écrit pour propre volonté. Pas le même genre, puis là, mon yo écrit des livres, tout dépend de l'idée ou bien ça qui a dégagé dans l'auteur, les gens doivent faire un message passé, lui écrit un livre par rapport avec un événement que l'été vive par rapport avec des expériences de vie, il est capable d'écrire un livre, mais qui est différent de la Bible. Parce que la Bible, oui, c'est l'homme qui écrit, mais sous l'inspiration de Dieu. C'est en fonction de ça, Dieu inspiré, monsieur, il a écrit, c'est l'une des raisons qui fait nous dire, la Bible, c'est la parole de Dieu, bien, c'est la révélation de Dieu à l'homme. Parce qu'il y a plusieurs façons, en plus le monde capable définir ou bien dit qui ça Bible. Il y a plusieurs façons au monde capable de définir la Bible. Eh bien, pour Dieu capable de révéler la l'homme, faut gagner un moyen. Et moyen, hein, c'est par rapport avec la Bible. Parce que on nous prend par exemple, si Dieu t'a utilisé les anges pour écrire la Bible, est-ce que vraiment nous en tant que l'homme nous t'a comprendre? Écriture ange, mais utiliser l'homme pour que lui capable révéler lui à l'homme. Et c'est l'une des raisons nous dit la Bible, non pas la parole des hommes, mais c'est la parole de Dieu. Eh bien, en écriture ça yo, ami auditeur, lorsque monsieur a classé Bible, eh bien, il y a des livres qui trouvaient comme des livres apocryphes. Et lorsque nous parlons des livres apocryphes, ce sont des livres qui pas canon. Et l'en parlant livre apocryphe, c'est des livres hein, que texte en texte qui douteux. Si on nous dit un texte apocryphe, c'est un texte qui douteux. Ou bien un livre qui apocryphe, c'est un livre qui pas inspiré. Et bien, livre ça yo déterminé yo comme des livres apocryphes. Dans ce sens, et bien, l'usage que l'apôtre Paul lui-même lui a fait pour le canon, que nous voyons dans le livre Galates, chapitre 6, verset 1er, et Philippiens, chapitre 3, le verset 16, que nous voyons, et l'usage que Paul, l'apôtre Paul lui-même lui fait de canon. Par qui moyen, je te connais déterminer que un livre, c'est un livre canonique, ou bien un livre, mais c'est un livre apocryphe. Premier moyen que vous avez déterminé, un livre, que c'est un livre canonique, c'est par l'âge du livre. L'âge du livre détermine sa canonicité. Par exemple, si nous apprenons le livre de Jérémie et de Paul,
eh bien, yo-même, yo te reconnaître yo comme canonique par Daniel et Paul, qui eux-mêmes yo étaient des écrivains saints. Eh bien, yo te reconnaître livre Monsieur Sayo comme des canons en fonction de l'âge du livre. Et deuxièmement, l'autre moyen que yo capable et déterminer et yon livre que li c'est yon canon, eh bien, c'est parce que li c'est un livre qui inspiré d'après 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, qui dit toute écriture est inspirée de Dieu. C'est inspiration livre là. Puisque li c'est un livre qui inspiré de Dieu, c'est la parole de Dieu que li est même, eh bien, ça, c'était un moyen qui te kon déterminer canonicité yon livre. Eh bien, yon te déterminer canonicité livre là en fonction de collaboration de l'homme et Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas l'homme seulement qui t'en écrit, mais c'est sous direction Saint-Esprit de Dieu. Et c'est une collaboration, c'est une collaboration entre Dieu et les hommes. Ça veut dire Dieu lui-même li utilise l'homme pour que li te capable écrit ouvrage ça ou bien document ça ou bien bible ça que nous gagne. Ça veut dire que une fois que livre là li pas un livre qui inspiré de Dieu, eh bien yo pas reconnaître li comme canon ou bien yo te kon déterminé autour par l'âge du livre Jean que nous sorti un exemple là tout à l'heure ensemble avec pour déterminer canonicité yon livre. C'est comme ça que yo te kon déterminé et des livres canoniques et des livres apocryphes, Jean Pierre. Eh bien, la Bible nous dit par définition, c'est la parole de Dieu. C'est la révélation de Dieu à l'homme. C'est à travers la Bible que Dieu lui-même a révélé lui à l'homme, il a fait l'homme connaître lui-même. C'est seul par moyen de la Bible et nous capables de reconnaître un bon Dieu vraiment dans toute intégralité. Pour que ça nous dit reconnaître bon Dieu dans toute intégralité. On capable dire la nature lui-même lui parler, lui expliquer la grandeur de Dieu, lui expliquer vraiment gagner un bon Dieu. Mais la nature pas directement en majeure partie parler nous de qui est le bon Dieu et nature bon Dieu, la nature pas parler nous de ça et capacité, oui, il parle nous de grandeur, de capacité, bon Dieu nous, hein. Lorsque nous regardons les étoiles, la mer, et puis bois, nous regardons tout ça qui fait partie de la nature, tout ça, nous faisons sentir, nous montrons nous vraiment, nous enseignons nous que gagner un bon Dieu. Mais nous pas dit nous qui est bon Dieu, ça, qui ça lui remet, qui ça le pas remet, est-ce qu'ils sont bon Dieu qui est fâché, est-ce qu'ils sont bon Dieu qui est toujours content. Est-ce qu'ils sont bon Dieu qui fâché? Est-ce qu'ils sont bon Dieu qui capable vraiment en colère? Est-ce qu'il gagne main? Est-ce qu'il gagne yeux? Mais la nature ne peut pas expliquer nous tout ça. Mais c'est à travers de la Bible qu'il ben nous révélation ça de Dieu. Mais lorsque nous parlons de la révélation, qui s'allie? Eh bien, révélation, c'est action de révéler, de manifester la vérité ou bien secret ou qui est caché. C'est révéler un bagage, dévoiler le bagage soit qui secret ou bien que nous sommes capables de dire qui caché. Eh bien, le terme gala hébreu, ça veut dire retirer. C'est retirer ou bien découvrir. Eh bien, révéler, le terme révélation doit son origine au grec. Origine, c'est une sorte au grec qui c'est Apocalyptein, ce qui signifie enlever la voile et rendre manifesté. C'est un bagage qui est caché, c'est un bagage qui est voilé, eh bien, vous venez rendre manifesté. Vous dites tout le monde capable de venir well, tout le monde capable de comprendre qui ça que lié lui-même. Eh bien, c'est ça que la Bible fait pour nous, lui révéler nous de bon Dieu. Eh bien, la révélation est l'acte surnaturel par lequel ou bien bon Dieu lui-même lui ban nous accès pour que nous capables connaître lui en tant que l'homme. Parce que nous-mêmes en tant que l'homme nous pas capables connaître bon Dieu
si ce n'est pas Dieu qui donne nous accès pour que nous connaissions à travers la Bible. Lorsque il prend Moïse pour lui permettre que lui écrit et livre Genèse là, et bien il pourra le révéler lui à Moïse. Il pourra le révéler lui avec tant d'autres auteurs encore pour que il soit capable d'écrire pour faire les hommes connaître et bien qui est-ce que lui-même c'est à travers de la Bible hein, et bien tout ça yo pral arriver fait, c'est à travers de la Bible que nous pral arriver qu'on est bon Dieu vraiment parce que la nature lui est suffisant pour ta faire nous vraiment qu'on est bon Dieu noir. Et bien pour qui ça bon Dieu lui-même nous pral révéler à l'homme. Et bien puisque l'homme a nous jeune tesile avec propre connaissance par nous a incapable pour que nous arriver qu'on est un bon Dieu, un être suprême, lorsque nous n'avons pas de moyens, pas de moyens pour que nous arriver qu'on est bon Dieu sans que lui-même ne pas révéler lui à nous-mêmes. Même, il vient prendre initiative pour que lui révéler avec les hommes. Et il fait ça par grâce. Ça veut dire, nous pas fait rien pour que Dieu lui-même nous révèle à nous-mêmes, mais c'est par grâce que lui vient révéler à l'homme qui est lié même nature, tout ça que lui gagne que l'homme au moins auparavant parce qu'on est de bon Dieu, et bien lui vient révéler l'homme à travers de sa parole. Et bien lui révéler au profit des hommes pour que nous capables connaître personnellement péché nous. Révélation bon Dieu à l'homme non, et bien il révèle au profit de nous-mêmes pour que nous capables reconnaître réellement péché nous, parce que c'est en fonction de la parole oui, que nous pourrons reconnaître vraiment bon Dieu qui crée nous hein. Lisez un bon Dieu qui sait, et bien nous-mêmes tout et nous besoin vivre saint qui pourra permettre que nous connaissons qui ça bon Dieu voulait et qui ça bon Dieu parle à travers de la parole, de la révélation que Dieu bail à travers parole lui, qui pourra permettre que nous arriver qu'on est péché nous pourra arriver qu'on est lorsque nous faisons un bagage qui pas bon, lorsque nous agissons de façon qui pas bon. Tout ça, ça fait nous capable connaître ça yo, c'est à travers de la parole de Dieu, mais Dieu révélé à l'homme pour que nous capable reconnaître et à nous tout ça que nous fait qui pas bon. Et bien, plus grand privilège humanité capable qu'on est de Dieu, c'est pour que nous capables glorifier et jouer éternellement de bon Dieu. Bon Dieu, les révélations, hein, nous joignons pour que nous capables qu'on est vraiment pour nous glorifier bon Dieu et pour nous jouer éternellement de notre Dieu. Encore dans la révélation. Eh bien, qui Jean bon Dieu lui-même, il pourra le révéler lui aux hommes. Qui Jean Dieu lui-même, il pourra le révéler aux hommes. Eh bien, la révélation de Dieu prend deux formes. Il pourra avoir deux formes que Dieu lui-même, il pourra utiliser pour les révéler aux hommes. Le général et le spécial. La révélation générale. La révélation générale est la connaissance de Dieu. Ainsi que la connaissance de bien et mal. Ce qui peut être obtenu par la nature. Eh bien, cette divulgation générale de l'existence de Dieu, eh bien, c'est base de ça que nous capables de la moralité. Divulgation générale, nous capables de dire, c'est base ça que nous capables de la moralité. Eh bien, apôtre Paul, pral fait nous connaître dans Romains chapitre 1, verset 18 à 20, que tout le monde capable de vivre des connaissances de Dieu à travers de la création. Ça veut dire à travers gens que nous te dit déjà, à travers de la création, tout le monde capable de gagner ou bien tout le monde capable en connaissance de Dieu. La valeur de la divulgation générale est très limitée. Parce qu'il enseigne seulement que Dieu existe, est puissant, sage et auteur de l'ordre et de beauté. Mais il n'y a pas fait un
comme si nous étions capables de dire une identification. Il n'est pas identifié directement que nous sommes capables de dire et c'est vraiment Allah ou bien Abraham ou bien n'importe l'autre Dieu. Eh bien, il n'est pas révélé en lien de la nature, la grâce et la rédemption. Et ça, on nous connaît, il est très important. Et pour nous parler de Dieu, tout dépend et de cette ou bien cette religieux ou bien de monde qui a parlé de Dieu. Hein? Et une fois que le parfait, par exemple, a parlé de Dieu, parfait, et une précision, il est capable de Allah, il est capable de Bouddha, il est capable de n'importe l'autre et Dieu. Mais que doit pas le vrai Dieu. Eh bien, il ne suffit pas de nous montrer le chemin. Au contraire, il sert à condamner à l'homme parce qu'il ne vit pas selon la lumière de Dieu. Est-ce que l'homme non, est capable d'arriver sauver vraiment avec seulement en marchant à la lumière de la révélation générale? La Bible fait nous connaître que Dieu va juger les hommes selon la loi qu'ils ont et selon leurs œuvres. Je veux dire, jugement le prophète selon les principes de Dieu et selon les œuvres de nous chaque, de qui ça nous a fait pendant tant nous gagnons sous la terre. Des œuvres, nous, c'est de ça que nous parlons. Eh bien, par révélation générale, l'homme gagne assez de lumière pour qu'il soit capable sans excuse devant Dieu. L'homme gagne assez de lumière, c'est l'une des raisons du peuple est responsable de l'ignorance de personne. Parce que avec la révélation générale, eh bien l'homme vient gagner assez de lumière vraiment pour que yo capable faire ça qui bien et pour que yo capable faire ça qui mal. Parce que nous dit dans la révélation générale, l'homme vient en connaissance de Dieu et en connaissance du bien et du mal. La valeur de la divulgation générale est très limitée. Parce qu'il enseigne seulement que Dieu existe, est puissant, sage et auteur de l'ordre et de beauté. Mais il n'est pas fait une, comme si on était capable de dire une identification. Il n'est pas identifié directement que nous sommes capables de dire et c'est vraiment Allah ou bien Abraham ou bien n'importe l'autre Dieu. Eh bien, il n'est pas révélé en lien de la nature, la grâce et la rédemption. Et ça, on nous connaît, il est très important. Et pour nous parler de Dieu, tout dépend et de cette ou bien cette religieux ou bien de monde qui a parlé de Dieu. Hein? Et une fois que le parfait, par exemple, a parlé de Dieu, parfait, et une précision, il est capable de Allah, il est capable de Bouddha, il est capable de n'importe l'autre et Dieu. Mais que doit pas le vrai Dieu. Eh bien, il ne suffit pas de nous montrer le chemin. Au contraire, il sert à condamner à l'homme parce qu'il ne vit pas selon la lumière de Dieu. La révélation spéciale. Dans la théologie chrétienne, la révélation spéciale fait référence à l'activité divine par laquelle Dieu se donne à rencontrer l'homme. Ainsi que la vérité pertinente pour lui-même et pour ses créatures. Ça veut dire, dans la révélation spéciale, eh bien, Dieu l'a approché à l'homme pour qu'il soit capable de faire l'homme en connaissance de lui, pour faire l'homme vraiment et connaître lui-même qui c'est le Dieu tout-puissant
le créateur de l'univers, lui-même qui créait soleil, lui-même qui créait la lune, lui-même qui créait ciel, lui-même qui créait étoile, lui-même qui créait la terre, lui-même qui fait nous, lui-même qui créait tout bagaille. Eh bien, Dieu est à la fois l'objet d'une telle divulgation, c'est-à-dire que c'est lui qui accomplit la révélation et qui est en même temps celui qui se révèle. C'est lui-même qui accomplit la révélation et dès qu'il s'est révélé, il révèle de lui-même encore. Là, en dedans, la révélation spéciale que nous sommes capables de voir vraiment. Eh bien, comment la révélation spéciale diffère du général? Nous parlons ensemble. Eh bien, l'homme pas capable de connaître peu de choses à Dieu, à propos de Dieu. L'homme pas capable de connaître avec force par l'homme, l'homme pas capable de connaître que le tical bagage, le tical connaissance de bon Dieu. Eh bien, la révélation générale est impersonnelle et donnée à toute l'humanité, à tous les âges. Le but de la divulgation générale est fournir à l'homme des notions généraux de l'existence de Dieu. Eh bien, révélation générale, là, c'est parler nous de vraiment l'existence de Dieu. Jean qu'on te dit là, eh bien, soleil, la terre, nous-mêmes en tant que l'homme, l'eau, puis bois, la nature, tout ça, yo, vraiment, yo enseigne nous que gagne yo être suprême, qui crée yo. Gagner un bon Dieu. Eh bien, ça nous vient dans la révélation générale. Vraiment, qui montre nous que, vraiment, si nous avons respiré, toute la nature nous a gardé. Même Jean Sal nous avait dit, quand je contemplais les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, tout ça, yo, le fait qu'on ait gagné un bon Dieu. Mais ça, yo, le pas dit nous, bon Dieu qui gagne, qui s'al remet, qui s'al vle, comment que lié qui va révéler la nature vraiment de Dieu. Eh bien, l'homme peut savoir personnellement à Dieu. Il est spécifique, sporadique, concret, historique et personnel. Dieu parle à certains hommes en certains endroits, dans certaines circonstances et dans certaines des moments. C'est l'une des raisons après la Bible écrit, parce que nous dans la Bible là. En pas environ 40 auteurs. Mais, en pile nan yo, dans des endroits différents, des cultures différentes, et des auteurs vraiment qui différents. Ça veut dire, et c'est pas des auteurs qui en écrivent, qui regroupent yo, et bien, ou dit, et bien, nous pral écrire un livre, et après le livre ça, la Bible, et bien, qui ça nous pral mettre là-dedans. Ça geta qu'on est, mais qui ça nous pral dit, ça qu'on est, mais qui ça nous pral dit, mais qui ça nous pral dit. Non, c'est des moun, des auteurs qui dans époque différent parce qu'on vient époque qu'on les écrit c'est pas dans même époque ça que l'autre livre là et même li écrit et ou après toutes les vieux tout yo des rapports ensemble même lorsque nous ouvert parenthèse ça même lorsque un peu le monde des fois dit et des anciens des nouveaux testaments non certes des anciens des nouveaux testaments mais ou joindre en dans ancien testament ou a joindre nouveau testament en dans nouveau testament ou bien dans ce testament bon expliquer ça que nous voulons dire pour tout le monde capable comprendre ou a joindre en pile dans nouveau testament qui parlait des choses des bagages qui dans ancien testament pendant que auteur dans nouveau testament n'est pas sous les lieux lorsque ancien testament lui-même les doit être écrit et constate ou gen bagay ki di dans l'ancienne alliance ou bien ancien testament que ou pral vin joine li arrivé dans le nouveau testament par exemple dans l'ancien testament nous pral joine nous pral annoncer naissance de Jésus-Christ et dans le nouveau testament ou pral joine li vin arrivé et tant d'autres encore bagay que nous pral joine qui écrit dans l'Ancien Testament et bien dans le Nouveau Testament ou pour joindre ça yo vraiment arrivé. C'est juste pour être capable faire éclaircissement ça pour comprendre vraiment. Et bien lorsque nous dit la Bible lit spécifique, sporadique et concret.
lorsque Dieu lui-même lui parlait à des hommes en certains endroits, dans certaines circonstances et dans certains moments qui différents. Mais c'est toujours Dieu qui a parlé aux hommes. Mais, question, on va dire, pour qui ça Dieu fait les hommes qu'on aime? Dieu est capable de et bon, moi, c'est bon Dieu, les hommes, je ne dois pas révéler aux hommes. Je ne dois pas révéler aux hommes parce que lui, c'est bon Dieu. Et en pile, des fois, nous, comme nous utilisons mot ça, on dit, bon Dieu, grand monde, lui fait salver. Mais pour qui ça? Eh bien, Dieu révèle aux hommes, c'est pour bénéfice, pas nous. Il le fait pour notre bénéfice. Lui, c'est parce que lui voulait que nous connaissions. Lui voulait nous en connaissance de lui-même. Lui voulait racheter nous de péché et pour que nous capables de réconcilier avec lui. Parce que c'est en connaissance de Dieu qui prend le nous accès pour que nous capables de réconcilier avec bon Dieu lorsque les hommes lui-même prennent perdu dans le jardin d'Éden, lorsque les hommes prennent arriver tomber dans ça que y aurait le péché vraiment. Mais c'est à travers la parole lui révéler à nous-mêmes qui pourraient rendre les hommes pourraient en connaissance de Dieu. Nous voulons et nous comprendre vraiment et ça que nous avons. Les limites de la révélation spéciale de Dieu. Eh bien, bien que j'en ai dit là, autodivulgation de Dieu aux hommes, qui est le remède pour l'ignorance que la chute les a amenés. L'homme racheté, eh bien, pas capable vraiment toujours pas concevoir pleinement Dieu. L'homme que Dieu racheté, hein, pas vraiment capable hein, pleinement concevoir, eh bien, vraiment le Dieu tout-puissant. Eh bien, Dieu qui est transcendant, c'est-à-dire en plus de sa création devant elle et a une existence en dehors d'elle. La différence entre le créateur et la créature est énorme de sorte que l'homme ne peut pas comprendre complètement ou enquêter sur les profondeurs de Dieu, vraiment. L'homme vraiment pas capable d'enquêter malgré et vraiment auto-divulgation que Dieu fait reconnaître lui aux hommes, et bien les hommes vraiment pas capable d'enquêter ou bien comprendre vraiment bon Dieu. Et bien, nous capables de dire qui j'en l'homme fini capable capable vraiment qu'on est complètement avec un Dieu infini. C'est comme si on a dit un bagage qui yon l'homme qui c'est l'homme fini, et bien il a le besoin à comprendre vraiment yon bon Dieu qui c'est yon bon Dieu infini. Et bien Dieu lui-même lui révélé à l'homme à travers de sa parole, à travers de la Bible. Parce que c'est à travers de la Bible nous pourrons vraiment comprendre Dieu et nous pourrons gagner certaines informations de bon Dieu. Mais l'homme n'est pas capable de connaître bon Dieu dans toute intégralité. Ça veut dire Dieu lui révélé à nous-mêmes, mais révélé aux hommes, ça que lui voulait nous connaître de lui. Parce que nous-mêmes, en tant que l'homme, nous pas capable de connaître toute bagaille de bon Dieu. Vraiment. Mais je nous dis là, à travers de la Bible, qui c'est la parole de Dieu que Dieu lui-même lui inspiré des hommes dans des temps différents, dans des époques différentes, des auteurs différents et nous capable même dire dans souvent des cultures différentes pour écrire pour faire lumière de lui-même en tant que Dieu et de qui ça lui-même et qui ça vraiment li parmi en tant que bon Dieu qui pral vin rendre que l'homme vini sans excuse devant le Dieu tout-puissant.
que nous va arriver dans ça qui va gagner avec le jugement de Dieu. Eh bien, mes bien-aimés, et c'est là nous à camper pour jeudi, hein? Le panneau est déjà arrivé et nous croyons que dimanche, si Dieu veut, nous va retourner encore pour une autre séance de formation. Toujours, nous continuer ensemble avec la parole de Dieu dans l'émission pour l'an qui c'est parole de vie que nous avons chaque dimanche à partir de 5 heures. Je vous dis, nous avons fait un bref rallye sous la Bible, côté que nous avons parlé de Bible, parce que nous dit et tout sujet que nous parlons, nous parlons autour de la Bible, c'est de la Bible que nous parlons, parce que tout thème nous parlons traiter, c'est des thèmes bibliques et que nous parlons, et dans la partie spirituelle et dans la partie sociale, tout que nous avons dans la parole de vie, et nous parlons, en plus d'autres informations, d'autres conseils que nous avons pour auditeurs, pour chacun. Moun qui abonné avec nous sur YouTube et qui a suivi nous sur Facebook tout que nous pral porter pour et je dis nous te fait un bref introduction à la Bible bien que nous pas gè ta konn di tout bagay net de la Bible vraiment parce que et parler de la Bible nous capable di c'est vraiment un bagay qui mande en pile temps 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours pas suffit pour ta fin parler et de la Bible vraiment et mais nous un peu toucher ça qui est primordial yo, ça qui est important yo, et nous ouais pas définition qui ça Bible en lié et nous dérêter sur définition qui c'est la Bible c'est la parole de Dieu et c'est la parole inspirée de Dieu nous c'est l'homme vraiment qui écrit Bible mais qui pas écrit le même genre yon monde capable écrire un document ou bien livre li que le tavle dégager et ça que lui-même lui ressenti ou bien des événements que lui-même est capable de vivre mais nous est écriture yo inspiré de Dieu d'après 2 Timothée chapitre 3 le verset 16 toute écriture est inspirée de Dieu nous Bible là c'est pas parole les hommes lié mais c'est la révélation de Dieu aux hommes c'est Dieu lui-même qui fait l'homme connaître même pour bénéfice par les hommes et en dans Bible là nous trouvons vraiment et gain ça que nous relé apocryphe qui c'est des livres non inspirés et nous te ouais ça que relé des livres canoniques qui c'est des livres inspirés et dans livre et apocryphe nous capable citer vraiment Maccabée, Judith et tant d'autres encore et dans livre canonique là qui c'est le canon chrétien et bien nous capable dit nous te joindre de commencement de Genèse à Malachi, de ça qui c'est ancienne alliance ou bien ancien testament et nous te dit de Matthieu à Apocalypse nous joignent nouvelle alliance ou bien nouveau testament et nous joignent tous les 66 livres là ensemble qui viennent bailler la révélation générale de Dieu vraiment lorsque nous prend les 66 livres et bien nous dit et l'église chrétienne yo et bien yo pas considérer les livres apocryphes c'est l'une des raisons ou capable ou gagner une bible hein plus seconde main ou elle pas gagner Maccabée la donne ou elle pas gagner livre apocryphe yo la donne et bien c'est parce que yo déterminé vraiment livre ça yo pas des livres qui inspirés et nous te ouais gagner tout moyen pour déterminer un livre qui inspiré lui-même qui j'ai ou te compte déterminer nous te ouais ça ensemble. Nous croyons que le Seigneur, dans l'amour, dans la miséricorde, est capable d'aider chacun de nous vraiment à comprendre la parole, à comprendre vraiment la révélation que il bail à les hommes pour que les hommes arrivent à connaître les gens que nous te disons. C'est que Dieu lui-même, qui est bon Dieu, lui mettait à disposition pour le révéler, ou bien le révéler à nous-mêmes, qui c'est l'homme, de combien plus forte raison nous besoin faire. Et car de ça, nous devons approcher nous de Dieu pour que nous essayions de comprendre plus chaque jour. Pour que nous cherchions à fouiller dans la parole pour nous connaître bon Dieu chaque jour. L'un des moyens pour que nous capables d'arriver à connaître bon Dieu vraiment, c'est à travers de la parole. C'est à travers de la parole que nous sommes capables d'arriver à connaître vraiment notre Dieu tout puissant.
Merci ou même qui t'a pas suivi vidéo ça et nous souhaiter que le Seigneur dans amour lui jeter une grâce lui dans la vie. Déjà merci et jusqu'à avant nous aller faut que nous prier gens que nous pas toujours faire nous commencer par la prière et nous voulons finir par la prière. Jusqu'à avant nous prier, ça veut dire que dimanche si Dieu veut, nous va venir avec un sujet qui encore et puis l'argent et qui toujours cap toujours intéressant parce que tout sujet que nous avons porté pour nous, nous tient à ce que c'est des thèmes qui vraiment très très intéressant et dans le prochain jour qui va gagner, le prochain dimanche qui va gagner, et bien nous va gagner des invités avec nous qui va faire lumière sur un paquet de thèmes vraiment qui souvent bail problème surtout dans le secteur évangélique. Bon Dieu bénis nous, mettez dans la paix Seigneur, nous allons prier pour que nous capables de terminer. Dieu fort et grand, Dieu capable de réel. Nous bénissons, nous exaltons. Nous disons merci pour grâce au Seigneur. Merci, cher Seigneur Dieu, d'être choisi nous. Au fait de nous, un sacerdoce royal. Au fait de nous, un peuple acquis. Nous-mêmes, cher Seigneur Dieu, autrefois, qui t'es égaré. Nous-mêmes, cher Seigneur Dieu, autrefois, et qui t'es largué, cher Seigneur Dieu, sans espoir. Mais dans l'amour, malgré nous t'avons nié dans le péché, bien la paix, cher Seigneur Dieu. Mais vous t'élongez, mais vous prenez nous, cher Seigneur Dieu. Vous nettoyez nous, sanctifiez nous, purifiez nous. Vous mettez nous parmi mon sauvé. Vous faites de nous, cher Seigneur Dieu, héritier et co-héritier de Jésus-Christ. Nous vous merci, cher Seigneur Dieu, pour ça. Merci pour le salut que vous faites pour nous, cher Seigneur Dieu. Merci, cher Seigneur Dieu, d'être capable de nous assurer que un jour, nous allons ensemble avec vous, cher Seigneur Dieu. Nous vous remercions pour la parole, cher Seigneur. Parole qui révèle nous qui est Seigneur. Parole, cher Seigneur Dieu, qui fait nous comprendre ce que vous voulez nous faire. Parole, cher Seigneur Dieu, comme Jean-Samuel David dit, qui c'est lumière pour éclairer nous, cher Seigneur Dieu. Nous vous remercions pour la parole, pour l'évangile que vous avez nous, cher Seigneur Dieu. Nous vous remercions pour chaque auditeur qui t'attendait, nous, cher Seigneur, et nous déclarer que grâce, que miséricorde, que amour, que puissance, que onction, capable de couvrir chacun, chaque Seigneur Dieu, monde qui t'a suivi avec nous, cher Seigneur. On s'appelle, nous pouvons avec toi de péché, nous, au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, à dimanche si Dieu veut, que Dieu vous bénisse.